Regardez, voilà le livre, regardez. Je profite pour en parler. Voilà le livre, c'est l'histoire du Coran. En l'occurrence, c'est la 62. La 62, il est combien de 6 et de 2? Voilà 6. 6 comme 6. Regardez 2. 2 dans le Coran, vous allez voir quoi? La vache. Ceci, je vois. Dans ceci, je vois quoi? Je vois ce. Et dans tout ceci, ça va quoi? Ça va être cash. Si ça se cache, il se cache. Quel déchirement il fait là? Regardez B, B dans la possibilité de l'alphabet. Et B, c'est quoi? C'est 19 plus 3. A à cause de l'alphabet, c'est S. A à cause de 3, ça va être C. Donc, B, c'est de B quoi? Parce que je suis le nom du variable. B, je vais de B de quoi? Ça fait S, C, A, H, E. Et c'est ceci, et le S avec le E que j'ai. Ça fait ce, comme ce. Maintenant, tout se dit comme quoi cache. Si ça se cache, et se cache, si ça se cache, allons-y. Il se cache vendredi, allons-y. C'est le 6e jour, non? Normalement. Et puis il est passé au 5e jour. Et là, ceci. Il prend, il met, si, si ça, il met quoi? Il met la cédille, ceci, il voit cédille. Ceci, il voit comme quoi devant. Il met la cédille devant, et c'est où se dissimuler. Où se dissimuler. Et comme quoi dissimuler. Où se dissimuler. Écoutez, qu'est-ce qu'il a fait là? C'est vous dites la paix un peu comme c'est dit, parce que regardez R, regardez un pâteau de R, vous allez voir, il a un dedans. Voilà le 1, et puis il a 2 aussi. Voilà le 2. Voilà 2. Le bleu là, c'est ça qui est 2. La verticale là, c'est ça qui est 1. Vous savez quoi? Quand je mets ça en pâteau, ça fait il a 1 et puis il a 2. Bon, c'est quoi? R que vous voyez là, c'est un patron de quoi? C'est un patron de. C'est un patron de 3. De 1 plus 2. 1 plus 2 égale à 3, non? Et à la position 3 de la famille, ça fait C. Donc c'est un patron de C. Donc je remplace ça. R par quoi? Par C. Donc le redit là, le redit devient quoi? R, je le remplace par C, ça fait quoi? Ça fait C, E, D. Ça fait C, D. Il met la CD devant pour se dissimuler. Et ça, il se cache, il se cache. Il met la cédille devant pour se dissimuler. Il est très malin. Vendredi, continue toujours, il dit quoi? Vendredi, allons-y. Vendredi, il dit, c'est lui qui fait quoi? Il fait ça, appelle quoi? Appelle de vendre ses idées. Appelle de vendre. Afin de vendre ses idées. Ceci, je lis ça comme ça. Idée, E comme quoi? Idée. Afin de vendre ses idées. Si c'est comme je l'ai dit, c'est quoi? C'est un marabout. C'est un marabout. Un devin. Et comme ça, oui. Et le devin, il fait quoi? Il ne dit jamais que quoi qu'il est en alliance avec le diable. Mais il vous dira que quoi? Que tout ce qu'il fait, c'est quoi? C'est que c'est divin. Donc il fait quoi? Il met Dieu devant. Il se dissimule derrière Dieu. Et pour vendre quoi? Pour vendre ses idées. Ses idées, ses conseils. C'est un vendeur d'illusion. C'est un vendeur d'illusion. C'est comme ça. À peine il vend ses idées. Et vendredi encore. Vendredi. Il ajoute que quoi? On lui dit, c'est lui qui fait quoi? C'est lui en effet qui fait le savon et tout le qui est venu. C'est lui qui est quoi? C'est lui qui est venu. Il est venu en tant que quoi?
C'est lui qui est venu. Reste ici. Ceci, je ne vois pas. C'est R.E. Elle est venue. C'est lui qui est venu en tant que le savant. Va comme quoi savant. Ceci, I.D.E. Ça veut quoi, c'est la télévision de Euclide. Euclide. C'est lui qui est venu en tant que le savant, le savant Euclide. Quel instrument il y a fait là? Regardez D.R. D. D est la puissance 18 de l'alphabet. R est la puissance 4. La somme donne 22. A la puissance 22, ça fait D. Donc d'où le D.R.E. Tu veux pas D.E. Mais E comme quoi venu. Et qui est venu en tant que le savant Euclide. Euclide, le mathématicien là. Le mathématicien qui a abusé par sa théorie là.